Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer sur notre chaîne du Communique TV avec vous, Monsieur Sefdalel. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un cours de communication progressive du français avec 270 activités. Ces activités sont destinées uniquement pour les adolescents, les faux adolescents et les adultes qui ont un niveau de français débutant et qui aimeraient bien sûr améliorer leur façon de communiquer. Des cours de communication progressive du français sont destinés uniquement pour ces gens. Allons-y, on va découvrir la leçon d'aujourd'hui. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est parler des lieux et des objets. On a déjà vu comme acte de parole localiser, s'informer par téléphone. Aujourd'hui, on va voir comparer. Acte de parole, c'est comparer. L'association de communication, c'est à propos des vacances. Côté grammaire, on va voir comparatif et vocabulaire, quelques mots qui ont relation avec tourisme. Allons-y vers page 62 pour découvrir cet acte de parole comparé. L'association d'aujourd'hui, c'est à propos des vacances. Allons-y. Alors, acte parole, c'est comparé. À propos des vacances. On a ici un dialogue entre Barbara et Brigitte. Barbara. Alors, qu'est-ce que tu en penses? On va en Bretagne ou en Normandie? Moi, je préfère la Bretagne. C'est plus beau. Oui, c'est vrai, c'est magnifique. Mais la Normandie aussi, et c'est moins loin. Oui, mais en Bretagne, il y a plus de choses à voir. En Normandie, il y a plus de grandes plages et pour les enfants, c'est mieux. Je ne pense pas. Sur une plus petite plage avec des rochers, les enfants jouent plus facilement. Donc, la Bretagne est aussi jolie que la Normandie. Impossible de choisir alors si on allait en Provence. Alors, qu'est-ce que tu en penses? On va en Bretagne ou en Normandie? Il y a ici une comparaison entre voyager en Bretagne et voyager en Normandie. Moi, je préfère la Bretagne, c'est plus beau. Alors, Brigitte ici préfère la Bretagne parce que c'est plus beau. Mais Barbara, non. Oui, c'est vrai. Mais non, Normandie aussi, c'est moins loin. Alors, pour Barbara, elle préfère la Normandie mieux que la Bretagne. Oui, mais en Bretagne, il y a plus de choses à voir. Il y a plus de choses à voir. En Normandie, il y a plus de grandes plages et pour les enfants, c'est mieux. Je ne pense pas. Sur une plus petite plage avec des rochers, les enfants jouent plus facilement. Donc la Bretagne est aussi jolie que la Normandie. Impossible de choisir alors si on allait en Provence. Alors ici, un dialogue entre Barbara et Brigitte. Le thème, c'est comparer les deux voyages, soit en Bretagne, soit en Normandie. Barbara préfère Bretagne. Par contre, Brigitte préfère... Oui, Brigitte préfère la Bretagne. Par contre, Barbara préfère la Normandie. Alors, allons-y vers... manière de dire, on dit c'est une plus belle région que, il y a plus de choses à voir que, le restaurant est meilleur que l'autre, la plage est plus belle que l'autre, cette ville est moins loin que, c'est mieux de, plus l'infinitif. C'est une plus belle région que.
Par exemple, ici, la Bretagne ou la Normandie, c'est une plus belle région. Il y a plus de choses à voir que d'autres régions. Le restaurant est meilleur que l'autre. Meilleur, ça veut dire plus bon. La plage est plus belle que l'autre. Cette ville est moins loin que l'autre. C'est mieux de plus l'infinitif. Alors, côté grammaire, toujours avec le comparatif, avec un adverbe, avec un adjectif ou un adverbe. On dit plus grand, plus loin, plus longtemps que, moins agréable, moins loin, moins facilement que, aussi grand, aussi loin, aussi lentement que. Ne dites pas s'il te plaît plus bon, mais meilleur, plus bien, mais mieux. Mieux, au lieu de dire plus bien, meilleur, au lieu de dire plus bon. Avec un nom, plus de noms, plus de monuments, plus de possibilités, plus de tourisme, plus de choses à voir, moins d'hôtels, moins de jardins, autant de choses à voir. Autant d'amis, plus de monuments que, plus de possibilités que, plus de tourisme que, moins de choses à voir que, moins d'hôtels que, moins de jardins que. Autant de choses à voir que, autant d'amis que. Côté vocabulaire, on dit une région touristique ou pittoresque, une plage avec du sable, des rochers, des coquillages, des choses à voir, à visiter, un monument historique, une petite route de campagne, un parc naturel, des activités pour les enfants. Alors, une région touristique. Pittoresque, ça veut dire qui vient de la campagne. Une plage avec du sable, du roche, du coquillage. Il y a plusieurs types de plages. Des choses à voir, à visiter, un monument historique, par exemple. Une petite route de campagne, un parc naturel, des activités pour les enfants, etc. Alors, on vient de comprendre ce que ça veut dire comparer. On a déjà vu côté grammaire le comparatif. Il y a trois sortes, il y a l'égalité, l'infériorité, la supériorité. Et aussi manière de dire. Remarque, on peut ajouter un comparatif à l'intérieur, beaucoup, encore, c'est beaucoup, c'est encore plus beau. Alors, je vous remercie pour votre attention. Si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner à notre chaîne Je Communique TV. Vous pouvez ajouter aussi vos commentaires, vous pouvez aussi cliquer sur la cloche pour avoir de nouveautés ou des likes. C'est le petit pouce. C'est le petit pouce. Alors c'était avec vous, Monsieur Seftelen, de la chaîne Je Communique TV. Au revoir et à la prochaine.